que maintenant on peut commencer tout doucement. Bonjour, bonsoir tout le monde. Salut Vance. 6h, 5h, non, on ne peut pas dire bonsoir. Bonjour tout le monde et merci d'être venu malgré ce beau temps dehors. Vous auriez dû être quelque part dans un parc en train de profiter. Mais pour l'amour de la poésie, on se retrouve au Gainsbar, au deuxième étage. Merci à tous nos invités. Daouda David, merci d'être là. On l'applaudit. Caroline Hébert, Caroline, merci d'être là. Sylvain Girard, merci. Sylvain, merci d'être là. Alain Lutfi, merci Alain, merci beaucoup. Latson, le monsieur qui est caché juste derrière l'entrée. Daniel Courtemanche, c'est la dame en arrière. Daniel, merci d'être là. Isabelle Provost, c'est la dame qui a été à côté de la sortie au bar. Merci Isabelle. Au piano, Sophie Drouin. Et derrière la caméra, Tarka. Caroline Hébert, celle qui va casser la glace. Caroline, pendant toute sa jeunesse dans le monde du théâtre, de la comédie musicale et de la création collective multidisciplinaire, après avoir exploré tous les niveaux de la création et de la production de spectacles, on la retrouve aujourd'hui comme poète et performe dans divers petits cafés, événements montréalais. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement Caroline Hébert. Bonjour, bonsoir, bon printemps. Alors, oui, j'ai plein de printemps de bonne humeur qui s'en vient, mais il faut se débarrasser aussi des mauvaises choses. Alors, ça va être un peu mélangé, là. Tout ça ensemble. Maestro. Haïr ceux à qui l'on donne. Leur enlever quelque chose en échange. Le droit d'être une personne. Qu'on sait de vos impôts qu'ils mangent. Privatiser la liberté d'expression. Gagner le privilège d'avoir raison. Faire régner l'ordre des mieux nantis qui n'ont pas besoin d'être gentils. Ce que tu fais m'appartient et je décide de son usage. Je suis maître de tous tes biens, mais tu peux bien garder ta rage. Détruire ceux qu'on abandonne pour qu'il ne reste aucune trace, que la rumeur ne soit pas bonne, qu'on ne les regarde pas de face. Au fond de ta tanière, relance ton idée forte. Le bout des mondes entremêlé de dérision, prière troublante d'un marin nostalgique. Son bruissement gagne la flotte sur une mer d'intrigue, vertige des eaux sales, au filet de lumière. Attends la deuxième vague pour refaire marche arrière, provoque les marées. Pour refaire ces coussins gonflés aux égaux surdimensionnés, lévitant sur les bouillons au lieu de paraître couillon. N'est pas si sûr que dessous, un air brisé, fendu par un mur, surplombe le fondement
des actes indécents. D'incontournables heurts y retournent sans raison pour chatouiller d'en haut la volonté d'agir hors de sa portée. Même sur les ondes de ma baignoire pour écouter ses idées noires. Voir sans regarder. Sourire sans raison. Broyer du vent. Donner ce qu'on n'a pas. Dire adieu au renoncement. Inverser les rôles. Vérifier le mensonge. Imaginer la grandeur d'une petite chose. Étirer les silences. Mettre du temps dans l'éphémère. Écrire l'histoire. Cuisiner le cuisinier. Caresser l'étreinte. Désirer la séduction. Essayer. D'essayer. L'aventure. Pour une aventure. Aimer. L'amour. S'attendrir de la tendresse. Ignorer l'ignorance. Se passionner de patience. Amuser le farfadet, nourrir l'appétit, faire des avances qui reculent, ne jamais dire jamais, faire un repas avec des restes, espérer l'espoir, m'excuser de m'excuser. Faire peur à la peur. Préférer la qualité plutôt que la quantité de qualité. La délicatesse, un signe de faiblesse. Le délire, la cause du plaisir, la pensée nous libère du passé. L'écoute, un antidote au doute. La misère, un gage de colère. La fierté, une preuve d'honnêteté. La richesse, le contraire de la paresse. Les valeurs résistent au malheur. L'analyse, un acte qui divise. La question, une contestation. La patience, un signe d'intelligence. Trouver l'erreur nous rend supérieurs. La révélation apporte l'évolution. Le calcul empêche le recul. Le moi détermine le choix. Les mots, une avance sur les animaux. Des cercles bruyants, dévalant la fente, redonnent un trop-plein, il reçoit en pleine face. Mers et mondes bondissent sur les vaisseaux, la brillante aurore avale les repas. Un trouble se ramène à lui-même. Des espadrilles tapent sur le plafond, quelque part brusquement,
La terre s'est ouverte. Un mélange explosif reçoit sa médaille. Une trop grande abondance écrase la faille. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Tes divinités apparaîtront ici. Le repère prend soin des autres. Sauf en cas d'égocentrisme. Vertement sûr d'une chose. La nécessaire relation aux autres. Et non l'inverse. Un roulement de tambour. Et des clous sur les cloches. C'est triste, on se réveillait un peu, là. Pas juste des tristesses dans la vie. Goûte le miel. Vois la lumière. Prends ta plume, agis à plusieurs, anime ton désir, laisse-toi déclamer, recherche la clarté, découvre la rareté, soulève le raz-de-marée, fais-nous démarrer, fais-nous marcher, une image à chérir, une raison de ricaner, avec ce froid de canard. Prends des moyens d'artiste, ton chemin va tisser un nouveau scénario. Et un petit dernier. J'espère que j'ai bien cassé la glace, là. Je vous sens encore. La liberté. Non, je recommence, pas super. J'aurais aimé ça commencer de même, mais c'est pas ça. On recommence, excusez. Je n'ai pas beaucoup préparé, mais ça fait grand plaisir. La répression appelle la liberté comme une question venue nous alerter. C'est le rêve qui s'en mêle, l'appétit du caramel. La réponse à la mort, l'annonce de l'aurore au travers de la nuit qui provoque et éblouit. La culture ou la création, le canal de nos passions, la rupture des traditions en d'étranges contradictions. Une culture de création qui se mesure en action. Elle est belle et elle est rare, la véritable œuvre d'art. La vérité ou la raison. L'espoir de la guérison. Investir dans l'amour. Convertir les vautours. Instruire la marche vers la liberté, construire d'étonnantes nouveautés. Rien n'existe sans la volonté, sans le désir d'exister, qui nous inspire l'exceptionnel de transformer le réel. Pour vivre, il faut créer avec l'amour avéré. Car seul la force de notre imagination permet notre matérialisation. Bravo. Merci.